Bonjour à tous. Salut jeunes gens. Nous voilà. Nous voici de retour. Voilà Monsieur Christini de retour en France. Oui, bon, bah, ça allait quand même. C'était pas donc l'idée, bah l'idée. C'était pas le bout du. Enfin si, c'était le bout du monde. Si c'était loin, apparemment, t'as mis du temps. Oh là là. Ouais. Ah, on commence pas à râler. Non, je râle pas, mais c'est vrai que c'était longué quoi. Oh, là, ouais, les vols étaient un peu compliqués. Il a fallu s'arrêter à Rome, tout ça. Voilà. Ouais, puis ça s'est pas passé comme prévu parce qu'on pensait, que t'aurais beaucoup plus de facilité au niveau du réseau internet. Ah, c'était une catastrophe le réseau. Par contre, là d'habitude, c'est plutôt, bon, ça marche plutôt pas trop mal là-bas. Puis là, il y avait des travaux, etc. Dans le à côté de l'hôtel, c'était compliqué. Quoi, il y avait rien qui fonctionnait, donc on a pas tout, on a même pas tout mis non plus parce que c'était. Il y a des, j'ai appris en décalé. Moi, je faisais en flux tendu avec ce que je relevais avec les petits épisodes. Mais là, l'idée aujourd'hui, c'était de revenir un petit peu sur. Revenir sur les bols. Oui, comme ça. Je t'explique, enfin. On va en parler, ouais. Voilà. Alors, on va reprendre dans l'ordre des épisodes. On le coupera peut-être en deux parce que ce sera peut-être plus digeste. On va faire peut-être un peu moins volumineux. Trois, quatre premiers épisodes aujourd'hui. Et puis la suite dans les jours qui viennent avant de préparer les PO. Parce que c'est quand même ça qui est important. Les PO, je l'avais dit, elles auront lieu toute la journée samedi. Le samedi 15 avril, repas à midi, il faut s'inscrire. Bah oui, c'est mieux, juste histoire pour prévenir, bien sûr. Pour qu'il y ait assez de miam. Tu offres? Tu offres encore? Je suis fou. Je suis inconscient. Ouais. J'offre. Vous vous rendez compte, offrir à nos jours. Ah, c'est encore possible. Ouais, c'est encore possible. Au point que ça ne va pas durer longtemps, je vous le dis. Mais le dimanche midi jusqu'à midi. Ouais, le dimanche, si éventuellement, ouais. Venir, le matin, ouais. Enfin, ouais, le gros, c'est samedi, quoi. Le gros, c'est samedi. Ouais. Alors, voilà, le premier bol du premier épisode. Alors, ça, c'était chez... Je résume. Chez NNBC. J'avais Akamatsuba, Ginrin, Shagoi, femelle. C'est bien résumé. Allez, au revoir. Attends, j'ai les tailles. 50 cm. Oui, à peu près. Beau bébé. Je les ai pas mesurés un par un. Hein. Ouais, c'est à peu près 50 cm avec, des Ginrin, Shagoi. Et puis, oui, donc des Akamatsuba. Sont plutôt très propres. Alors ils sont plus rouges que ce qui. Bah, c'est simple, c'est toujours compliqué sur les vidéos parce que d'abord on était en plein soleil et tout. Il faisait vraiment très très beau en plus le jour où on est arrivé. Et avec les reflets dans la serre, c'était toujours un peu compliqué. J'en ai une ou deux, ils sont beaucoup plus rouges que ce qu'ils ont l'air d'être là-dessus. Voilà. Il y en a quand même un qui est particulier. Je fais un arrêt sur image. On les voit là, les deux l'un à côté de l'autre. Il y en a, on voit vraiment là. Sur l'écaille, le noir classique, l'effet pomme de pin qu'on retrouve sur ces deux-là. Mais celui-ci, là, à gauche... C'est plus les écailles, c'est plus le blanc qui ressort que le noir. Extrêmement original. Ouais, c'est plutôt des poissons jolis, c'est tous des femelles. 395 €. Ouais, c'était plutôt... Je trouve que c'est plutôt... Ouais, un bon rapport qualité-prix. Compte tenu de l'augmentation du prix du transport, ne nous cachons pas. Oui, ça reste... c'est plutôt... Je trouve que j'étais plutôt content de l'achat, c'est... Ça fait 50 cm, ouais, ce qu'on vient de dire. Ouais. Et puis, du Shagoi Ginrin. Alors, les poissons sont un peu maigres, hein, parce que là, on était quand même mi-mars. C'est des poissons qu'on n'a pas mangé depuis octobre, au moins. Parce que là, ils étaient... Ça va reprendre. C'est pas... Des teintes légèrement différentes sur les deux Shagoi. Oui, il y en a un qui est un peu plus marron que l'autre, un peu plus bronze, on va dire, que l'autre. Vert bronze, L'autre un peu plus pâle. Mais franchement, c'est vraiment des jolis poissons. C'est des trucs qui sont costauds. Et je pense que pour des Nisai, c'est quand même plutôt des belles tailles. Ouais, Nisai, pas cher. Ouais, c'est Nisai femelle. Oui, c'est pas cher. Pourquoi ? C'est pas cher. Non, bon rapport qualité-prix. C'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, femelle toujours. Oui, c'est gros. Ah bah oui, ça c'est plus gros. Ça 65, 70. 70, oui. Alors c'est pareil, une Yamabuki, mais c'est pareil, qui est une femelle maigre. C'est pas inquiétant, hein, c'est juste normal à cette époque de l'année. Vous les retrouverez les mêmes au mois d'octobre, ils sont bien et bien rebondis, il n'y a pas de problème. Alors par contre, j'ai une bêtise, c'est ma faute, t'as écrit ce que je t'ai dit, c'est une bêtise, t'as parlé de Benigoy, c'est pas des Benigoy, ce sont des Red Karachi. Pour moi, c'est moi qui ai fait le. Donc celui qui est à droite. C'est parti dans autre chose. Celui qui est à droite. C'est un Red Karachi. C'est pas un Benigoy. Yes. Pardon, oui. C'est un Red Karachi. Benigoy, d'accord. Red Karachi. C'est pareil, ce sont des femelles. Ce sont des poissons qui font. Pas loin de
70. Tu m'as dit, ouais, 65-70, 795 euros. Ouais, oui, 795 euros. C'est comment, c'est des poissons à la base de souche. Benegoré. Alors, les. Si ma mémoire est bonne, c'est les marcousés pour le Benegoré. Enfin, chantier en Benegoré. Red Karachi. Pour Red Karachi, et l'autre, c'est Izumiya. Voilà. Mais franchement, je vous. C'est les femelles. C'est que je t'ai pas vous inquiéter de la, yes. la grosseur, laissez-les un mois ou deux mois en bonne température à repartir. Vous avez du potentiel. Ah oui, mais c'est des poissons. Bah, c'est pas des deux poissons. Hein. Les Hyundai, ils sont 70. C'est plutôt adepte, donc c'est pas des poissons. Ils ont peiné jusque-là, quoi. Alors ensuite, voilà ce que j'avais. Ouais, alors ça, c'est un petit mélange, si j'ose dire. C'est pour mélange parce que je les ai choisis un par un quand même. Katsumi, oui, c'est ce que je disais à chaque fois. Ça, c'est un bol à 79 ouais, euros. C'est pas du mix, hein, c'est des poissons. J'ai pas de mix d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est des poissons qu'on a pris. Enfin, qu'on a fait du, ce que disent les Anglais, du hand-pick. Alors, choisi un par un à la main. Mais j'avais fait passer les vidéos où il prenait les. Ah oui, d'accord. Ouais, okay, puis c'était sympa. Ouais, ouais. Donc, bah, vous voyez, il y a pas mal de Benic Common Ryu qui sont plutôt très très sympas. Ouais, ça, je suis content vraiment parce que. Joli, ouais. J'aime bien vraiment des bons poissons. Hein. Ça évolue après, avec le temps. Il y a quelques goshiti assez rigolotes. Là, celle qu'au milieu là, est vraiment assez atypique. On voit que c'est toi qui as filmé. Ouais, ouais, comme un chien, comme d'habitude. Oui, je sais, je suis pas. Ah, mais ça tombe bien, je voulais pas faire de cinéma dans ma vie. Non, hein, mais... voilà, non, mais il y a un côté très vif. Très... Oui, oui, c'est ludique. Elle dit ah, je l'ai vu, je le vois plus. Et ça, c'est plutôt sympa. Bah, des Deutsch Kohaku, des Hondon Goshiti. Oshiba, non ? Et à droite ou non, c'est Dinrin, c'est moi qui gêne. Il y a des Deutsch Metallic Oshiba, là, celui à droite, là, tout à fait à droite. Là. Au-dessus de la Kwaku, c'en est un. Après, vous avez des Showa, vous avez des Kikusui, vous avez des Yamato Nishiki. Ça, c'est un Dinrin Kiyutsuri. Voilà, Kiyutsuri, là, celui au milieu. Ouais, là. Celui au milieu. Celui qui est... Vous avez même un Shagoi, je crois, dedans. Là. Juste à côté Dinrin, ouais. Le Daitsu Oshiba dont tu parlais, et puis ouais, pas mal de Benic Common Ryu. Ouais, mais ça, c'est bien. Parce que ouais. C'est souvent demandé, c'est mais pas mais même, les, même les Daitsu Kohaku sont plutôt jolis. Et alors, vous avez encore là, ce Goshiki là, que je trouve moi personnellement très très marrant. C'est vraiment atypique. Kiyotsuri, sympa. Ginrin Kiyotsuri, très très sympa. Les Showa aussi sont belles. 60, le prix, moi j'avais 17,25 cm, 79 euros. Oui, c'est ça. Vous avez quelques tons de chouchou, je crois. Aussi. Voilà, franchement, vous avez des jolis poissons. C'est super coloré. Encore une fois, la lumière, là, bon, bah, ça gêne, mais franchement, c'est très très coloré. C'est très très vif en couleur. C'est vraiment, vraiment un joli bol. J'ai vu ces poissons et j'étais en rien à côté de la. Bon, on la voit plus, tant pis. Si, si, non. Au-dessus, là, il y avait un. Tu reviens en arrière. Ouais, attends, je sais plus. Goshiki, elle m'amuse. Elle est dessous, là. Ah ouais. Elle était dessous. Il n'y a pas plus de vent, là. Attends, comment voilà. Je. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est un poisson. Oui, parce que t'as le noir sur chaque écaille. Ah, ouais, ouais. Et puis la tête est vraiment avec cette espèce de cagué au milieu, là, gris. Ah, gris, oui. Ouais, la tête rouge. Ça, c'est vraiment un joli poisson. C'est un petit peu hors du. Original, ouais. Ouais, mais c'est vraiment joli. Ouais, c'est hors du. De goshiki traditionnel. Alors, après, on repart sur du body beaucoup plus fort. Ouais, un bol. Voilà, c'est pareil. Vous avez un Kogane. Pas sur la terre. Kogane Oshiba, Azagi, Goshiki, Sun Sai, 50-60, femelle, 650 euros. Bon, il y a déjà des poids, je ne vous ai pas dit, mais dans les Atsuki, les Matsuba, les Ginrin, Shagon, il y a déjà vendu. Là, le Kogane et puis le Azagi sont déjà... Ah, Pika, le Yazagi était sympa, vraiment. Ouais, c'est rigolo, ouais. Pareil, il n'est pas académique qu'on cède, mais il est assez rigolo. Oui, le Kogane Oshiba est très propre. Vraiment très propre. Il a un body. C'est pareil, c'est un poisson qui n'a pas mangé depuis octobre. Ça, c'est impressionnant. C'est pareil, c'est beau. Hein, tu m'avais mis 60, ça y est, ouais, 65, parce que le Shiba. Le Goshiki. C'est pareil, c'est des Goshiki qui sont... C'est hein? Rigolo que ce soit. Ah, Pika, t'es quoi ton bras? Oh. Et j'avais. Bon, c'est pareil, ce sont des femelles. Hein. Ça, c'est femelle. Ouais, c'est ce que j'avais. Et le prix, je l'ai dit, ouais, c'était 650. Oui. Pour les
Encore. Mais c'est des poissons qui sont aussi un petit peu plus gros. Après, toujours dans cet épisode. Alors ça, ça on, est, on a changé d'éleveur. Là. On est chez Tanaka. Alors c'est des, bah oui, des, vous voyez, hein, des platinium femelles. Ouais, 295 euros. Et puis une commande, là c'était un temps de chouchou. Alors c'est pas 295. Non, les platinium. Oui, les platinium 295. Et puis bon, le temps de chouchou est vendu. On a un très très beau poisson femelle. Nissaï. Très très beau poisson. Voilà ce que. Voilà ce, que j'ai, ce qu'on avait présenté vraiment pour l'épisode. Super hein. Blanc, super propre. Et puis alors, ouais, Tanaka, ouais, bah, il sait faire, hein, y a pas de problème. Belle platinum, joli poisson. Avec un beau body. Hein. Alors après, on passe à l'épisode numéro 2. C'était le deuxième jour, ça. Alors ça, c'était chez Nagoshi, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, chez Nagoshi. Et ça, c'est les Goshiki. Goshiki, le Goshiki plutôt sympa. Alors il y en a le noir déjà. Goshiki Nagoshi 445. Ouais, voilà. Bon, c'est des poissons qui font 45 cm. Et des femelles aussi. C'est un super bol, moi je trouve. Ah, c'est très très propre. Ouais. C'est très joli. J'ai trouvé ça très beau. Il y en a où le noir est plus sorti. Ouais, il y en a qui sont plus, voilà, plus avancées les unes que les autres. Mais les rouges sont très très. Les i sont très très propres. Ah, puis c'est des poissons avec un peu de body quand même. Hein. Ah, je vous rappelle, hein, on est au mois de mars, c'est des poissons qui n'ont pas beaucoup mangé là non plus. Hein. Donc, ouais, c'est des. Faut pas comparer les poissons qu'on achète, les nissaï qu'on achète au mois d'octobre, qui viennent d'être pêchés avec des bodies. En fin de grosse saison. Et là, en fin de saison, vous avez des poissons bah, qui sont restés tout l'hiver à jeun parce que ça me fait encore rigoler. Là, on va changer un peu de truc. Mais les gens qui toujours croient que les tapis japonais là-bas servent à faire de la filtration, c'est faux. Les tapis japonais, ils servent là-bas uniquement à faire de la filtration mécanique. Dans les bassins, ils servent pas à autre chose. Ils servent juste à être nettoyés pour enlever les saletés, pour avoir de l'eau propre. C'est tout. Il y a tellement de changements d'eau de toute façon que... Ça, c'est puis les poissons ne mangent pas, donc de toute façon, ça ne sert vraiment pas à grand-chose de plus. Mais tout ça pour dire que là, les poissons n'ont pas mangé du tout. Hein. Donc, les bodies sont encore conséquents pour des poissons de cet âge-là. C'est 2 ans, hein, ce n'est pas des vieux poissons, mais qui n'ont pas mangé, quoi. Parce qu'il y a de belles goshiki quand même, là, celui qui veut se faire pousser une ou deux goshiki. Là, dans celui-là, oui. Ah, et puis là, sur celui gauche, on voit déjà le fukurine, là, très net, très les écailles. Et puis ça, même, celles qui sont, même celles qui sont un peu, encore un peu blanches. Ouais, qui sont en retard. Ouais, il y a des beaux patterns, quoi. Il y a des patterns bien découpés, c'est vraiment des patterns de Kohaku, quoi. C'est beau. Alors, un bol qui a très très bien marché, je sais pas si tu en restes encore, mais là, t'es en forme, là. Là, je trouve que le bol est incroyable. Ouais, j'étais en forme. Tamura, 20-25 cm, c'était Tamura ? Ouais, alors, ouais. Ça, on a pris ça chez... Alors, évidemment, je suis pas allé dans le sud, donc là, t'es chez Odakan. C'est un peu comme Narita, si vous voulez, c'est un revendeur, c'est un grossiste sur place qui rachète des poissons dans le sud pour les ramener, quoi. Magnifique. Et donc, moi, j'ai vu ça, donc on a choisi, voilà, on a choisi ces poissons, tant de chaud sans quai, tant de chaud. C'est très très propre. Ouais. Franchement, c'est super qualitatif. J'ai plus le prix. Bon, il est rond avec tête, toi, je sais dans pas. Les 100, là, j'avoue que je l'ai plus. J'ai plus en tête non plus, mais bon, voilà. Dans les 100 et quelques, mais franchement, ça les vaut. Ah oui, sincèrement, ça les vaut. Ouais, c'est un super rapport. Ah, vous avez un super bol. Celui qui veut se faire plaisir avec un temps de chaud ou un temps de chaud. Ouais, les ronds sont nickel. Il y a des temps de chaud. Les marrons sont très beaux. Ça, on a vraiment choisi ce qu'il y avait de plus. Ah ouais, mais c'est sympa. Et ton chouchou aussi, à celui qui est à côté de ouais, moi. Y a un ou deux, oui, il y en a un ou deux. Hein. Mais surtout ton chouchou sans pied, puis ton chouchou. Ton chouchou, quoi. Ton chouchou à coup, quoi. Pareil. Mais là, vous pouvez, ouais, là, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Vraiment, c'est propre. C'est très, très propre. C'est toujours dans l'épisode 2. Alors là, c'était chassé chez. On était revenu chez NNBC. Et là, c'est pareil, hein, toujours des nissaï femelles. Kimatsuba, Orange Kimatsuba, ouais. Azagi. Et Ginrin Shagui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment... c'est pareil, tout femelle. Hein. Donc, oui, tout femelle, 50 cm, oui, 395. Largement 50 cm, hein, pour ça. Hein. Ouais, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment propre. Pareil, il y a un petit peu de nourriture et vous allez voir des poissons avec des vrais beaux bêtes. Et puis, des poissons qui ont la capacité du monde pour pousser, quoi. C'est vraiment chouette. Je zappe parce que j'avais mis des vidéos que tu m'as fait passer là-bas quand tu as été
Shumaru Hiro ou autre, là je ouais, ouais, on va bah, Shumaru sympa. Hiro, on est passé, l'histoire de Ferrara, toujours pareil. Hein. Ouais, la partie centrale. Ouais, est... voilà, ouais. Les grosses bestioles, mais bon, je vous dis franchement, j'en ai pas acheté 25. Donc, j'étais pas enfant. Non, j'étais pas enfant. Épisode 3, le troisième jour. Alors, toujours à NBC, parce qu'on y est revenu, on aime bien. Alors, toujours pareil, hein, des... toujours ces femelles, hein, 65-70. Sauf là, évidemment, la Goshi Kimaruten, là, qui doit faire 55-60, on va dire. Oui, alors, ce poisson, je suis fort, 55, ouais, pile. C'est un métier. Et c'est... Alors, ce poisson, vous allez me dire, il n'est pas parfait. Je vous le concède. Mais alors, je vais vous dire un truc. Au départ, je l'ai acheté, j'ai presque pris pour moi. Parce que je ne sais pas pourquoi, je suis tombé dessus, j'ai fait waouh. Et je sais, il n'est pas parfait, mais je le trouve vraiment impactant au niveau visuel. Ah, puis le marou dessus. Ah, puis il est vraiment très très beau. Et là, c'est pareil, il fait orange, il n'est pas orange. Il est vraiment plus rouge que ça. Quoi. C'est... Ah non, c'est vraiment un beau poisson. Quoi. Et cette espèce de cagé aussi au niveau de la tête, a une petite pointe noire sur les écailles. Mais bon, après l'évolution sur un Goshiki, vous savez très bien que malheureusement, voilà, c'est rare de passer à côté. Mais c'est vraiment un très très joli poisson. Le prix, j'ai 545 femelles. Ouais, ouais. Puis c'est des poissons, je vous dis, ça c'est un poisson qui fait 60 cm. Hein. Il est au gond, 65-70 cm. Oui, les ogons 65-70, pareil. 795 euros. C'est vraiment des. Ah, le Goshiki, je sais pas, je lui trouve quelque chose. Et le pattern est assez joli. Et les écailles sont super bien découpées dessus, c'est vraiment propre. On passe. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est original. Ah ouais, alors ça, c'est chez Aoki. J'en ai un peu parlé parce que moi, je trouve que la variété est sympa. Alors ça, c'est des Kikusui et des Yamato Nishiki. J'ai raconté en épisode, t'as pas dû suivre parce que tu devais peut-être même pas les regarder. Je t'en avais acheté un et j'avais découpé un plot qui est tombé dans le bassin et cet imbécile l'a mangé et malheureusement, c'est pas passé. Ça, c'est pas fait pour. Hein. Donc, je l'ai perdu et j'en étais beaucoup parce que c'est une variété qui est vraiment différente. C'est lumineux, j'aime bien. Ah, Yamato Celui qui est au milieu, là, avec le marou, il est incroyable. Ah, il est propre. Ouais. Ah ouais, très sympa. Mais c'est tout très propre. Hein. Franchement, c'est super lumineux. Je peux pas vous dire autre chose. Les patterns sont plutôt jolis et puis c'est vraiment dans un bassin vous voyez que ça. Hein. C'est pas des poissons qui vont devenir énormes. Hein. Attention, Yamato Nishiki qui vous souvient, ça va pas devenir des monstres. Hein. Mais, oui, mais les couleurs sont intenses. Ah, ouais. C'est trop fou. Ouais. On le voit là. Et là c'est du Tateshita. Hein. C'est que des poissons qu'on a sélectionnés. 75 euros. Ouais, là, c'est pas cher. Ouais, franchement, c'est pas cher. Mm. C'est pas cher. C'est vraiment super qualitatif. Et toujours dans cet épisode numéro 3. Alors, je suis déçu de ma vidéo parce que. Le problème, c'est pour les retransmettre, c'était très compliqué. Et déjà, sur la caméra, on a l'impression qu'on voit, mais dès qu'on les retransmet, qu'on n'avait pas une bonne connexion. Parce que tu trouves que c'est trop pastel, mais c'est trop fade. Ah, c'est trop fade. Ouais. Je peux vous dire que quand Chouchoua, c'est bon. Là, tu m'as dit, ouais. Ah, ouais. Là, c'est chez Maroui. 25-30 cm, 345 euros, VHP. Ouais, j'ai dit que c'était de la très haute qualité. Ah, ouais. C'est bon. Ah, les poètes sont super. Il y a un Ginrin, je crois. Derrière ta tête, il y a un Maru, Ken. Ouais, qui est super, absolument. Qui est très très beau. Et juste à sa gauche. Là, les petites Chouas sont super marouidées au départ. Et travaillé chez Isa au départ. Donc il a retenu trois choses. Et ça, les temps chauds, elles sont vraiment. Elle va. Alors faut attendre que ça. Moi, c'est une poisson que j'adore. En fait. Et ça, c'est vraiment très très beau. Alors, faut attendre, évidemment. Hein. Encore une fois, hein, c'est une dosaille. Hein. Je pense que c'est minimum. Donc, c'est vraiment très très beau. Même les temps de chauds sont très très beaux. Après l'épisode 4, c'est chez Maruzé. Magnifique Yutsuri. Ouais. J'avais pas la taille 70, non, c'était Non, un peu moins, il doit faire 66. Il y a un sacré bébé. Hein. C'est ouais, femelle, très femelle, c'est un très très beau poisson. Hein. Très très beau poisson, il est vendu. Mais ouais, très très joli. Et... Très lumineux, vraiment impactant visuellement. Dans cet épisode 4, il y avait également ce bol. Alors c'est pareil, ça sent encore chez NBC, hein, décidément. On... Le Doitsu Benigoi, Ginrin oui, Doitsu Benigoi. Alors encore une fois, désolé, mais je me suis... Red Karachi. Red Karachi, hein, c'est pas... Et le Ginrin aussi Ginrin aussi, ouais. Donc il y a un Doitsu Karachi. Doitsu Red Karachi. Et Ginrin Red Karachi. Donc ça complète l'autre qui était un Wagoi. Ouais, qui était un Wagoi, j'allais dire de base.
oui, un peu. Vekarachi aussi, 50-55. 445 euros. Nisai femelle. Et le Kijiro femelle est à 395 euros. Ouais, pour ça, c'est, je l'ai pris parce que c'était... Si, mais t'as bien fait, moi, je trouve qu'il est... C'est un poisson plutôt... Ouais, qu'on voit pas souvent. Et franchement, j'ai trouvé propre. Le blanc était très propre. Le jaune est plutôt lumineux. Alors, les patterns, on aime pas. Hein, ça, je veux pas vous en faire un plat. Mais c'est... Ouais, ouais, c'est plutôt propre. Ça, encore une fois, pareil, hein, c'est tout femelle. C'était 50-55. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que tu m'avais dit, ouais. Ah, ouais. Tu m'impressionnes sur les tailles, là. Alors là, tout ça... Ouais, je les ai gardés en tête. Oh, mais ça marque quand il y est, je pense. Ouais, non, puis c'est vrai qu'on est toujours en train de mesurer à quelque chose près, quoi. Histoire de répondre, mais ouais. Mais le Kijiro, franchement, c'est un poisson. Alors, on aime ou on aime pas, hein. Ça je peux pas, évidemment, je veux pas aller me battre là-dessus. Mais vraiment, je l'ai pas trouvé laid. Je suis pas fan personnellement. Oui, dis-le, c'est pas ta variété reine, mais. Non, c'est vrai, j'en ai même. Et je suis là, je sais pas pourquoi, je l'ai vu, j'ai fait tiens. Et, je sais pas, je trouve que le jaune était vraiment très pétant. Et c'est surtout ce qu'on cherche dans ce genre de poisson, quoi. Et il a du jaune après. Alors, l'éleveur m'a dit, alors, je répète, devant là, il y avait un petit endroit où il y avait du jaune et il me disait que ça commençait à s'étaler. Je répète bêtement ce qu'on m'a dit. Moi, personnellement, je suis pas persuadé, mais bon, voilà. Mais à le dire. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est pas vilain. J'aime bien. Ça change, puis là, il a une tête un peu marrante, là, avec son espèce de museau tout jaune. C'est rigolo. Bon, les autres, après, vous connaissez. Hein, ah, ça va pousser, là, les autres, c'est... Ah oui, je pense qu'il y en a un qui finira... Bah, il y en a un qui est... Lui, c'est un Sansai, hein, par contre. Hein. C'est pas Attends, lui, lequel? Le Karashi? Non, pas le Karashi. Ah, le Kijiro, pardon. D'accord. Oui. Kijiro, lui, c'est un Sansai. Pas, hein, les autres, c'est les Nisai, lui, c'est un Sansai. On voit la différence, hein, déjà. Et ça va pas être la même... Ça va pas être l'arrivée. Ça fait 70, c'est le bout du monde. Mais bon, c'est rigolo. Alors là, toujours par chez Odokan, si j'ose dire. Souche, Omosako. Ah bah c'est de l'Omosako. Hein, c'est ce que j'avais dit, Omosako. C'est l'Omosako. 90 euros. Alors j'espère qu'on va... Il ne s'est pas planté parce qu'il m'a fait peur à un moment donné. Je ne sais pas s'il n'a pas mélangé des poissons. J'espère qu'il va réussir à nous retrouver les mêmes. Enfin bon, bref. Enfin, ça va être... voilà, c'est de l'Omosako, ça va être... Ça va être ça. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, c'est pas bien. Je me ferai faucher. S'il m'a acheté un regard noir, je vous dis pas. Bon, c'est joli, la qualité, c'est magnifique. Moi, je trouve. Ah ouais, ouais. Donc, de toute façon, moi, j'ai pris cela parce que j'ai trouvé. Ça mais très franchement, allez, là, je suis. Mais c'est pas possible, ça. Mais vibreur. Ouais, ce que je vais faire, excusez-moi. Et là, très franchement, c'est très très propre. C'est vraiment très très propre. À moins de 100 euros, si on s'amusait à faire pousser des patterns sympas. Là, je garantis qu'il y a vraiment de jolis poissons. Après, j'avais. Alors, pour terminer sur l'épisode 4, sauf erreur, Showa Doitsu Kaze, ouais. 445 euros. Il y a un Tancho Showa aussi. Ouais. Il était vendu, je ne sais plus. Enfin, oui, il est vendu, okay. Ouais, Tancho Showa. Puis il y a deux ou trois Doitsu Showa qui sont prises. Magnifique. Ouais, c'est très très propre. La couleur. Franchement, c'est très très joli. Super. Alors, mâle et femelle, hein, de tête. Là, j'ai pas l'info. Ouais, tu m'avais rien dit. Mâle et femelle de tête. Mais vraiment, ouais, c'est très très lumineux. Hein. C'est très très lumineux. Les blancs sont parfaits, les rouges sont vraiment. Alors, faut attendre que le noir monte un peu sur certains poissons, parce que, encore une fois, c'est des Nisai. Hein. C'est pas non plus des monstres. Et faut laisser un peu de temps au temps. Mais ouais, je pense que c'est très très propre au mois d'octobre. L'année dernière, on avait acheté des Deutsche Watch chez Cognas. Ça avait été un carton. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Mais bon, ça avait vraiment été un carton. Les passionnés aiment. Et là, je pense que sincèrement, on est sur la même optique. Non, c'est vraiment très, très beau. Hein. Ça pète, c'est équilibré. Ah c'est ouais, laissez-leur le temps de se développer un peu en noir. Vous allez voir vraiment des très, très beaux poissons. Oui, donc il en reste. Il y aura un prix, ça reste vraiment raisonnable. Il m'a dit 445. Ouais. Moins de 500. Ah ouais, c'est vraiment pro. Et on coupe ici. PO samedi 15. Et puis semaine prochaine, on fera la fin. Ouais. Il m'en manque deux vidéos qui ne sont pas passées. Donc on les mettra également de ce que tu m'as dit sur les derniers jours. Bon, ça a été compliqué les derniers jours. Il y a d'autres poissons. Il y a très très beau. Il y a deux très très beaux Shirochi Omosako aussi. Okay. Bon, on complétera, on mettra tout là. Ouais, un très très d'ici très une semaine Yutsui. Avant les PO. Yutsui, Nisai, absolument
Ça marche, ok. Écoutez, merci beaucoup. Bon, ben, jeunes gens, à bientôt. Hein, à bientôt. Et puis après, on vous reviendra vous voir plus tard pour des tutos. Ah oui, bien sûr, on reprendra les tutos. On va reprendre ça. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.